Donc, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à un let's play quoi, let's play Hearthstone. J'ai enfin fait le maudit update de merde que j'ai réussi à mettre, ça a été long, je m'en excuse aux gens, j'ai assez de patienter avec vous là, que vous soyez là avec moi. Donc merci d'avoir patienté, donc c'est l'épisode 3, donc aujourd'hui ça va être quoi, ça va être un let's play, je vais essayer de gagner le plus de parties classées possible. Mais là, en ouvrant le jeu, j'ai vu qu'il y a des nouveaux défis. Donc, je vais juste vous annoncer qu'il va peut-être y avoir un petit peu d'ajustement au début, là. Juste au niveau de l'écran, là. Je vais juste regarder, voir comment je peux travailler ça. Que ça soit pas trop embêtant pour vous, là. Parce que sinon, ça risque d'être plate pour vous, là, de voir un jeu un peu écrasé, là. Fait que je vais essayer d'arranger ça. Donc, bienvenue à vous en ligne. Donc, je suis là, je suis de retour pour jouer un mauvais tour afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier toutes les peuples à notre nation. Non, c'est pas vrai. Je vais vous faire. Là, je faisais du Pokémon. Hein? Ça me tentait. Bon, là, ça va être ça. Fait que là, je vais me tasser. Là. Ok, on va se tasser. On va se tasser. On se tasse. Tasse-toi, une petite grosse face de lettre. Hein? Donc, voilà. On se tasse. Hein? On va éditer la transformation. On va se mettre à un beau. 300. Oups. 300. Voilà. Et là, je viens de me mettre dans le coin. Tasse-toi dans le coin, connard. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc là, voilà. Donc, c'est fait. Donc, non, je quitte pas le jeu. Donc là, je vais aller voir ma collection pour commencer, voir qu'est-ce qu'il y en a. Surtout de mon chasseur, tu sais. C'est, il me dit, le chasseur, c'est-tu lui qui lance des flèches, ça? Le chasseur, est-ce que j'ai des cartes quand même intéressantes? Là est la question. Ça n'a pas l'air super génial, le chasseur. Hein? Fait que là, je vais juste aller revoir les quêtes que j'ai à faire. C'est où les quêtes? Consultez votre progression. Donc, vous voyez, les quêtes que j'ai à faire ici, c'est jouer 30 cartes de la classe mage. Jouer 30 cartes de la classe paladin. Bon. Est-ce que gagner 3 matchs avec un chasseur, un paladin ou un guerrier? Bon, là, qu'est-ce que je pourrais peut-être faire? C'est de jouer le paladin. Je vais essayer. Je vais essayer le paladin. Jouer 30 cartes de paladin avec... c'est ça. Avec, dans le fond, mon deck de paladin est déjà bâti. Mais je vais en faire un nouveau. Un nouveau deck de paladin parce que je vais repartir du début. Ça va être pas mal plus simple. Donc, on va faire un paladin. Qui est quand même niveau 10. Donc, d'après moi, j'ai toutes les cartes. Là. Parce que le chasseur, j'ai juste 10 cartes. Le guerrier, juste 12 cartes. Faudrait que j'y finisse. Là. Bon, là, je prends le fameux paladin. Donc, au moins, j'ai toutes les cartes. Là. Main de la brise du marché. Paladin classique. Non. On va faire personnaliser. Voilà. Bon, là, qu'est-ce que j'ai comme carte intéressante du paladin? Ok. Paladin, bon. Ici, j'ai un cri gardien des rois. Fait quelque chose quand vous jouez cette carte depuis votre main. Cri de guerre, hein? 6 points de vie à votre héros. Bon, ça, c'est sûr que je le mets, lui. J'en ai deux en plus. On va les mettre. Invoque 5 recrues de la clé de main d'argent. Ça, c'est sûr, je mets ça. Inflige 3 de dégâts, vous piochez une carte. Ça t'inflige 3 de dégâts à toi, puis tu prends une carte. D'accord. On va essayer ça une fois. Inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires, ça peut être intéressant, 2 fois. Chaque fois que votre héros attaque, il lui rend 2 points de vie. Ah, ok, on va se mettre 2 fois. Donne +4/+4 à un serviteur, on va se mettre 2 fois aussi. Donc là, on voit que je commence à avoir quand même une couple de cartes intéressantes. Ici, j'ai le cri de guerre, protecteur d'argent. Ok, un serviteur allié, ça lui donne un bouclier en plus, parfait. Rend 6 points de vie pour 2, c'est pas cher. Secret, une fois que votre adversaire a joué un serviteur, ses points de vie sont réduits à 1. Ça, c'est sûr, je vais l'apprendre. Après ça, hey, salut Panda, ça va? Re-bienvenue à toi. Noble serviteur, invoque secret. Invoque un serviteur 2-1 qui devient la cible de l'adversaire pour le... Ok, parfait. J'en ai 2. Ok. Après ça. Confère bouclier divin un serviteur, ça c'est sûr, je mets ça. L'attaque d'un serviteur passe à 1. Ah, ça c'est bon, ça peut réduire
Donne plus 3 à un serviteur. Bon, on va se le mettre deux fois. Fait que là, il me reste 8 cartes à mettre. 8 créatures. C'est sûr, je vais y aller avec 8 créatures. Râle de Goni, vous piochez une carte. Amasseur de butin. Oh, ça peut être bon, ça. On va s'en mettre un. Là, j'y vais avec quoi? Je vais y aller avec... regardez avec qui, là, le petit fatigant là, qui inflige des dégâts. Parce que là, j'ai le serviteur, j'ai le paladin. Je vais juste regarder les cartes que j'ai, là, les nouvelles cartes que j'ai. Cri de guerre, invoque un écuyer 2-2. On va peut-être l'essayer. Donne votre arme, non, ça c'est pas bon. Vos serviteurs ont +1/+1, c'est sûr, je le mets lui, avec le paladin. Là, c'est assez. Je vais mettre Citoon. Citoon aussi. Avec ses deux. Citoon avec ses deux. Ces deux filles là, qui donnent +2/+2. On va essayer ça de même. Là. Je ne dis pas que ça va être le deck que je vais utiliser. Là. Ok. Puis là, il me reste une place pour mettre une créature. Bon, on met quoi? On met-tu un qui coûte 0? C'est quoi? Un feu follet? Non? On va se mettre... je sais pas, moi... qu'est-ce que je pourrais mettre comme... Putain, on va mettre lui ça dans lui, il fait rien que se défendre. Cri de guerre. Réduit au silence un serviteur. Au silence, ça veut dire que il réduit au silence, ok. Ouais, je sais pas qui mettre là, j'ai aucune idée. Tiens, lui, c'est... renvoie un serviteur dans votre main. Okay. C'est bon ça. Bon, là, j'ai fait un deck à peu près là. Ok, c'est rien de super génial, mais en tout cas, on va voir. Donc là, on va aller voir, on va aller jouer. Donc, vous me direz si au niveau de l'écran, si vous aimez ça comme ça. Partie classée. On va y aller avec une partie classée, parce que moi, ça me tente de prendre une partie classée. Donc là, je vais essayer d'ajuster là, par la suite là, mon ordinateur et tout ça. Là. Au niveau de la qualité d'image, dites-moi si ça va. Au niveau du lag, ça va. Pour l'instant, il n'y en a pas. Au niveau de la qualité d'image, ça a l'air quand même pas si pire. Bon, fait que le son du jeu, je l'ai un petit peu coupé. Là. Je peux peut-être élargir un petit peu le... Tu sais, disons couper à droite un peu peut-être. Là, c'est ce que je vais faire. Là. Regardez bien ça, je vais me fier à cet écran-là. Là. Je vais élargir un peu. Ok, regardez bien ça. Pour que vous puissiez plus voir. Là. Je vais couper à droite, je pense pas que c'est important, ben à droite, là. Tu sais, à droite, là, on s'en sac pas mal, là. Ok. Je vais essayer de vous donner un petit peu plus de... Voilà, même le nom du personnage, tu sais, je pourrais le couper, là. C'est pas plus indispensable que ça. Donc, je vais encore un petit peu le transformer, regardez. Oh, j'ai du temps, ok. Bon, qui sait, je garde. Ah, j'ai pas le paladin? J'avais pris lui. Regardez comme ça. J'ai appris le... Ah là, je pense que j'ai mon vieux deck, là. J'ai mon vieux deck. Là, c'est pour ça que ça n'a pas marché, je pense. Oh oh, je suis dans la merde. Bon, à moi de jouer, ok, attends un petit peu, là. Je vais juste corriger la situation. Donc, voilà, juste un instant. On va élargir encore un petit peu. Pour que vous puissiez bien voir le jeu. Je m'en fous pas mal des noms du monde. Là. C'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de voir le jeu. Bon, voilà. Donc là, tout le monde va être heureux. C'est parti. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Là, elle a fait quoi? Elle pioche un dégât. Ok. L'attaque d'un serviteur. Je pense à un. Ok, bon, il y a le camouflage. Oh, ça lag dessus. Je pense pas. Tout est bon. Si j'ai réduit ça de même, ça va se faire le coup. Voilà. Oh, fin de tour. Si
que je fais là. Mais... Bon, c'était juste au niveau du... Je m'en excuse. Bon, voilà. Donc là, je vois bien. Juste mon écran ici, je vois pas bien. Ça a-tu buggé? Bon, là, il va intensément avec des petites cartes de... Ok, bon. Là, mon deck, je sais pas si j'ai mon deck que je me suis bâti tantôt. J'espère. J'ai peut-être pas choisi les bonnes cartes, hein. Repentir, secret, une fois que votre adversaire a joué un serviteur, c'est pour une vie d'isolé du à un, non. Ok. J'ai pas la carte qui fait toutes les dégâts. Là. Donne plus un. Bon, on va mettre un serviteur. Là. Puis là, on va attaquer, je sais pas, mais on va attaquer 15 là. C'était vraiment utile, mon affaire. Bon, voilà. Donc, c'est ça. En gros, bienvenue à vous. Si vous êtes en ligne, vous me regardez. Je joue enfin à Hearthstone. J'ai eu le crit guy donne plus 2 à votre Murloc. Ok, là, je fais face à un chasseur. Ça se peut-tu? Aïe, aïe. Bon. Je sais pas si j'ai mon deck que je me suis bâti. Chaque fois que votre héros attaque, lui rend 2 points de vie. Bon. Là, je vais manger une volée si je mets rien. Invoque 5 recrues, humilité, l'attaque de l'adversaire passe à... Donne plus 3. Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, ses points de vie sont réduits à 0. C'est ce que je vais jouer. Okay. Ça va être à lui. Donc là, je sais pas si ça va être bon. En tout cas, j'essaie juste de faire des missions pour avoir des paquets de cartes pour pouvoir gagner quelques... Hey, là, ici, c'est un... Monsieur Murloc, ça. Hein, c'est utile. Il a un point de vie, lui aussi. Il va sûrement m'attaquer. Wow. Incroyablement. Hein? Il va me tuer, d'après moi, là. Aïe, aïe. On va se mettre un arme, là. On n'aura pas le choix, là. On va attaquer ces fatigants là, je sais pas lesquels, t'as lui. Oh, il attaque. Viens toi. On va attaquer, on va se débarrasser de lui. Ouais, 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 ça va pas super bien mon affaire, ça va pas super bien. Fin de tour. Pourtant j'ai mis une couple de créatures dans mon deck là, mais à moins que j'ai pas le bon deck là, ça se peut aussi. Qu'est-ce qu'il me fait? Là, lui, son but, c'est sûr, c'est de me tuer. Hein? C'est sûr, certain, son but, c'est de me tuer. Il va y arriver, d'après moi. Parce que j'ai pas grand-chose d'intéressant à vous dire, là. Ah, ouf! Ça va me rendre 6 points de vie, au moins. Bon, là, ça va vraiment pas bien, mon affaire. On m'a redonné... Attendez, est-ce que je meurs au prochain tour si je fais rien? On va s'invoquer un petit fatigant de même, là. Au moins ça nous protège, là. Tu s'entends? Je vais me rendre la point de vie, là, des points de vie à moi. Ça va pas être... Non. Salut Panda, ça va? Donc, ok, puis là il me reste un. Wow, c'est vraiment, mais vraiment de la vraie merde, mon affaire. Ça me donne 2 points de vie au moins. Je le tue. Ouais, c'est pas évident à jouer le paladin, là, je vais vous dire. Là. J'ai peut-être pas le meilleur deck non plus. Là. Je vais jouer le paladin, on va l'essayer. On va essayer ça, le paladin. Bon. Il va me tuer, hein? C'est sûr et certain. Inflige à tous tes adversaires. Bon, ben bonsoir la visite. Ok.
Hein, toi! Bon, ça, ça fait du bien. On va donner plus 3 d'attaque. On va l'attaquer. Ok, commence à faire des dégâts. Ça, on va se garder. Ah. Ouais, on va jouer ça. On va se caler un autre petit fatigant. Là. Au moins, ça va me protéger. Ben, protéger, on s'entend. Ça ne protège pas plus qu'il faut, là. Mais en tout cas. Là, j'ai fait le ménage de ces créatures, là. Bon, au moins. Donc, bienvenue à vous, ceux qui sont en ligne avec moi. Il n'y en a pas énormément. Il y en avait plus tantôt quand je niaisais. Bon. Fatiguant, lui. Là, je peux sortir mes grosses cartes, s'il vous plaît. Après moi, je vais crever le prochain tour. Après moi. Je vais crever bientôt. Donc, ah ouais, là, joue-les ton tour. Tu me fais attendre, hein, c'est ça? Je me demande. Attendez, je vais dire incroyable. J'aime ça dire incroyable. Je ne peux pas faire ça. Bon. Donne un serviteur, plus 4 points de vie. Wow. Ok. Bon. Putain, on va le rendre à un point de vie. Ok. On va se donner un beau petit plus 4, plus 4. Le serviteur s'est rendu une machine. C'était un 8-5. Aïe aïe, ça fait mal ça, mon gars. Ok, on va s'en caler un autre. Ok. Là, il peut-tu me tuer? Je sais pas s'il peut me tuer, hein. Peut-être. Attends, non. Parce que là, j'ai descendu son attaque à 1. Il n'y a pas de provocation, il n'y a pas rien. Oh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Oh non! Il va me tuer. Non, il m'a pas tué. Mais ça dépend qu'est-ce que j'ai, là. Ok. J'ai-tu assez? Pour le tuer? 8. Ah, il manque 2 points de vie. Si je le battais, tabarnak. Je le battais! Bouclier divin, il va le mettre à lui, là. Ben, ça sert à rien, il va me tuer au prochain tour. Maudine, j'ai pas de provocation. Je gagnais. Ah, il m'a tué, là. Il m'a m'avoir battu. Incroyable, il m'a m'avoir battu. Parce que j'ai pas de provocation, là. Lui, il y en a un. Ouais, pourquoi tu fais ça? Tue-moi. Ah ouais, tape. Pourquoi tu me tapes pas? Tape. Tue. Vas-y, tue. Ouais. On active. Allez. Voilà. Tu m'as tué, bravo. J'ai pas eu un bon tirage au début, là, mais en tout cas, ma mission, elle commence... Ouais, je le sais. Défaite. Bon, j'ai-tu au moins ramassé des points pour mes missions? Hey, c'est quoi ça? Pourquoi c'est noir en bas? Désolé aux gens que ça soit noir en bas. Je vais corriger la situation. Voilà. Fermé. Bon, là... ok, on va continuer. On va... je vous reviens dans 30 secondes.
désolé aux gens, désolé. Petite urgence au niveau... Bon, on va continuer. Je vais faire un retour. Je vais aller voir si ça l'a avancé un petit peu. Ah, ok, ben c'est ça. Regardez, il a joué. Gagner 3 matchs. Ça va être dur de gagner 3 matchs, d'après moi, avec le paladin. Mais je vais jouer 30 cartes. Au pire des pires, si je vois que ça marche pas avec le paladin, j'irai avec. C'est le guerrier ou le. Le quoi, l'autre? Le mage, c'est ça? C'est ça? Paladin, chasseur ou guerrier? Je n'ai pas toutes les cartes de toutes les classes, c'est ça qui arrive. Donc voilà, c'est parti pour un autre combat. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas convaincu encore. Donc on va tenter l'expérience. Donc Hearthstone, épisode 3! Donc nous sommes rendus quand même... j'essaie de débloquer des cartes là, pour avoir le plus possible de, des cartes qui vont me donner plus de... Sans acheter rien, là, bien sûr. Bon, un autre paladin. Ça devrait être pas si pire, en principe. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bon, une carte supplémentaire. Ok. Bon, là, j'ai quoi comme pouvoir au début? Bon, j'aime bien ça, ça. Parfait. Donc, ok, on y va. Je sais pas si ça va être bon. En tout cas, on verra bien. Je sais pas lui s'il va être plus fort que moi. Ça, c'est... ça j'aurais peut-être dû le mettre. Ça fait rien qu'un dégât, mais ça me fait quand même un dégât. T'sais. Un d'attaque. T'sais. C'est pas grave. Bon. Ok, lui. Quand même assez intense. Hein. Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, ses points de vie. Non, ça, je le ferai pas tout de suite. Donc. On va attendre. Hein. Fin de tour. Voilà. Donc, je pourrais encore élargir un peu. Hein, si je regarde l'écran là, en ce moment. Là. Eh oui, je pourrais élargir encore plus. Je vais l'élargir. Regardez bien ça. Je vais vous élargir ça. Juste parce que un let's play, c'est plus fun quand c'est plus large. On s'en fout des noms des gars pis tout. Là. Hein? Voilà. On voit mieux le jeu comme ça. Bon. Oui, ok, je pourrais peut-être me mettre dans le décor du jeu. Là. Je pourrais peut-être faire ça aussi. Là. C'est ça que je pourrais faire peut-être. Hein? Aussi. On verra. Bon, là, il a joué un petit fatigant. Bon, parfait. Là, j'ai quoi, moi? Bon. Alors, on va jouer un fatigant comme lui. Hein? Pas vraiment le choix. Fin de tour. Voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça donne. On continue. Let's go. Faut que je joue 30 cartes du paladin. Ça devrait être pas pire pour les jouer, 30. Là. Sinon, ben, j'irai avec la classe du guerrier au pire des pires. Là. J'ai 12 cartes sur 20. Là. C'est peut-être pas les meilleurs. Bon. Je colle un. Mais il va me faire mal, lui. Là, là. Pas grave, ça. C'est pas ça qui me fait peur. Je vais attendre avant de jouer ça. Ouais donc. Oh. Non, c'est ça, j'ai pas mon deck de tantôt. J'ai pas mes cartes de tantôt. Bon, on va jouer un autre. On va en jouer un autre. Okay. Au rapport. Fin de tour. Donc c'est pas évident. Jouer le paladin des fois là. Mais c'est parce que j'ai pas mon deck. J'aurais dû aller checker c'était quoi mon deck. Ben oui, butez-le, c'est sûr. Tu sais, lui, dans le fond, il y a un deck bien basic, là. Rien de super... Ouais, j'ai vraiment un deck de merde, là, en ce moment. Bon, ben, on va se débarrasser de tous eux autres, là. Ben oui, je suis rendu à 10 points de vie. J'ai même pas fait un dégât encore. Non, ben, bonsoir la visite, mon gars, hein. Hey. Tu me feras pas mal longtemps, toi là. Ok. Bon. Est-ce que le vent va tourner? Peut-être! On espère. Hey, salut, hey, So Heart, ça va? Re-bienvenue à toi. Comme j'ai dit, là, j'ai réussi à faire l'update.
Bon, un autre. Un fusil forgeron. Donc, bon, il se donne plus 3. Pourquoi il se donne plus 3? C'est de la merde, ça. Checkez-moi bien ce que je vais faire. Fais pas peur, ton petit... ton petit 5 là, d'attaque. Ok. Bon, on va descendre son attaque, là. C'est où, déjà? Ok. Un petit 1. Bonsoir. Bon, on va se caler un petit monsieur pour m'aider. Après ça... Regardez bien ça, on va lui donner un petit bouclier divin. On va lui donner plus 3 d'attaque. Voilà, comme ça, ça vient une belle cible, mais en même temps, je me protège dans un sens. Parce que là, j'ai juste 20 points de vie. Mais là, j'ai mon héros ici, là, mon niveau 7, là, qui va... qui devrait être pas pire, là. Puis j'ai mon serviteur, mon champion. Lui, je l'ai pas en tout. Lui, il a provocation, hein, c'est ça. J'aurais peut-être dû y mettre un bouclier divin. C'est pas grave. Laissez-moi réfléchir. Donc, bienvenue à toi, Sword. Installe-toi confortablement. On va jouer à peu près encore environ 30 minutes. À peu près. Un petit peu plus. J'essaie de faire une heure de chaque jeu. C'est à peu près ça que je me donne comme limitation. Mais je sais que Hearthstone, là, c'est vraiment long. Mais Hearthstone, je devrais jouer sans faire de vidéo. Mais en même temps, je veux vous montrer mon évolution dans ce jeu-là en même temps que vous. Là, il fait quoi, là? Il dort au gaz? Après moi, il a quitté ou il est fâché, là? Oh! Il m'a fait gagner. Ben, merci. non, je ne ferai pas d'Urban Revels après, non. Non, parce que j'ai des choses à faire, là. Désolé, mon ami. Mais Urban Revels, je vais essayer d'en faire aussi plus que je peux. Membre des Dessoudeurs, gagné 3 matchs. Bon, on va continuer. Ben là, juste aller regarder mon deck, là. Parce que là, le deck que j'ai, c'est pas ça que je veux comme deck. J'avais fait nouveau deck, mais ça n'a pas l'air que ça n'a pas marché. C'est ça mon deck que j'ai en ce moment. C'est pas ce deck-là que j'ai voulu faire tantôt. Non, c'est ça. Bon, on va s'en refaire un nouveau. Parce que tantôt, ça a comme... Je sais pas, ça allait comme... Pas enregistré. J'ai peut-être juste oublié de faire enregistrer. Deck Paladin 2. Donc, mettons, on fait Paladin de base. On fait choisir. Bon. Ça, c'est des cartes que je ne possède pas. Lui, je l'ai. OK. J'aime ça faire ça, tu sais. C'est comme... là, je vais aller mettre Seatune. Je vais aller mettre Seatune dedans. OK. Avec ces deux confrères, là. Sont ceux qui en montrent, là. Ces deux-là, ici. Voilà. Là, je vais aller voir dans les cartes que j'ai pas de paladin que je pourrais mettre. Celle-là, ça peut être bon. Celle-là, ça peut être bon. Celle-là aussi. Là, c'est quoi mes autres créatures que j'ai? Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est correct. Lui, je vais en mettre deux fois parce qu'il est quand même... assez puissant, pareil. Celle-là, je l'ai pas. Je vais la mettre. Maître bouclier. Ça, c'est bon. La hache, je l'ai dessus. Je vais mettre deux fois la hache aussi. Non, ça, je l'ai pas. Hey, my God, j'aimerais ça l'avoir, celle-là. Oh, oh, oh. Bouclier divin, probable. Wow. OK, je l'ai pas. OK, ils disent tu peux remplacer par ça ou par ça, tu sais. Ben ouais. C'est sûr que... Bon, ça ressemble à quoi, là? J'ai quoi comme deck, là? Gardien des rois. Champion. Ça, c'est sûr, je vais le garder, là. Parce qu'il est...
Après ça. Ok, maître bouclier, j'aurais-tu le mettre là? Non, on va les enlever ces deux-là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donne un serviteur plus un, deux fois. Ah ok, ça donne plus un serviteur, ok. Ouais. Détruit l'arme de votre adversaire, ça peut toujours être bon. Ça c'est de la vraie merde. Là je regarde, main protecteur, ok. Bon. Là c'est quoi, quelle carte que je n'ai pas de... Bon, celle-là on va la mettre. Rend 6 points de vie, je vais m'en mettre. Secret, ça je vais me le mettre au moins une fois. Là je vais mettre une créature, au moins une. Qui, je sais pas là. Ça c'est une de mes cartes rares ça que j'ai. On va y aller avec lui ça. Et voilà, terminé. Panda, ça va Panda? Bon, retour. Donc là, mon deck que j'ai, c'est mon deck là. Ok, donc retour. C'est-tu le deck que j'utilise en ce moment là? Voilà, donc on est reparti pour un autre match. Donc c'est quand même assez long à faire un deck et tout ça, là, mais voilà. Notre ami Panda vient de rejoindre la diffusion. Youhou! Salut Panda! Donc là, on va essayer de gagner mon deuxième match de mes trois missions. J'espère que ça va fonctionner. Bon, là, je me prends contre un démoniste. Bon, les démonistes, eux autres, c'est des fatigants qui sacrifient toujours des points de vie pour... Non, j'ai encore mon deck que je veux pas. Ciboire. Je viens de faire un deck pendant une demi-heure, puis là, ça... Je vais en être mauvais, man. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Bravo à toi, en passant à Panda, d'être niveau 26 quand même sur Urban Revolt, c'est bon. C'est très bien. Donc, qu'est-ce que j'aime moins de Hearthstone peut-être, là, je vous dirais ça. Là. C'est peut-être que c'est long un match. Un match, ça peut être long. Versus Urban Revolt, qui est beaucoup, beaucoup plus rapide. Bon, il a joué quoi lui là? Il a rien joué? C'est à moi? Bon, on va l'attaquer de 5. Ok, toi. Aïe aïe! Ça fait mal ça, hein? C'est comme un deck bizarre. Là. J'ai pas le deck que je suis supposé avoir de d'habitude. Là. Non, c'est pas grave. Bon, pourquoi da. Il vient d'appuyer une autre carte, mais il s'est fait 2 de dégâts. Bon, là je fais quoi? J'ai pas vraiment le choix de l'attaquer. C'est plate que j'ai pas bouclier divin. Là je l'ai pas mon bouclier divin. Okay. On va s'en débarrasser de lui là. Hein. Parfait. C'est à son tour. Fun Panda, oui, Fun Panda. Toi, Ace of Heart, tu es qui déjà? Tu es-tu celui qui fait partie de mon clan aussi? Fun, maître Fun, les francophones. Voilà. Bon, encore? My God, il va arriver avec plein de cartes, lui, là. Puis moi, je vais faire dur. Tiens, un beau petit plus 7. Oh là 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 là. Checkez ça. Ça fait mal dans sa face. Donc là, c'est à son tour. Puis là, en plus, s'il me le frappe, il va avoir accès de rage. Puis il va avoir furie des vents. Fait que là, il n'y a pas le choix de me le tuer. Là. D'après moi, c'est une victoire, ça. Ben, ça veut rien dire, hein. Je garantis pas que c'est une victoire, là. Je me demande. Pourquoi il fait ça? Il sait pas quoi jouer d'après moi. Ok.
il est mort. Ou s'il est pas mort, il sera pas loin. Pau, avec un beau petit 4. Patataclore, quinto est dans ta face. C'est beau ça mon son, hein? Patataclore, puis je vais faire un secret comme ça, ok? Comme ça, s'il sort une de ses créatures, ça va le baisser à un point de vie. Inflige 2 de dégâts, rend 2 points à votre héros. Ah. Oh wow! Il s'est tué? C'est quoi ça? D'après moi, il s'est pas joué, lui. Ben, il n'y a pas une grande différence entre niveau. C'est plus la quantité de cartes qui fait la différence. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un frère, top player de Vin, qui m'a donné des cartes gratuitement. Ah ah! Comme moi! Hey, j'ai monté de. Wouhou! De rang! Il me reste une autre victoire à aller chercher. Donc, 2 sur 3. Joli. On fourgue des armes. Hé hé. Ok, pourquoi tu me dis ça? Tu s'en fous de tes armes? J'ai un ami qui peut peut-être m'en donner. Moi, j'ai été chanceux, si je rentre dans votre conversation, là. Moi, j'ai été chanceux, j'ai mon frère qui était top player, comme moi, qui m'a donné son compte. Il y avait plein de cartes, là. C'est incroyable. Dans le fond, j'ai eu le don de deux comptes de top player. Donc, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Bon. Prochaine victoire. Moi, j'utilise le même deck, là. J'ai deux victoires avec ce deck-là. Bon, ça met ça, c'est parfait, ça comme tirage. Parfait. Bah, tu fais une vente privée, mais tu vends la carte pour 50 clins. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu fais ça, une vente privée pour 50 clins à l'autre. D'un compte à l'autre, puis bonsoir à la visite. Donc, cri de guerre, élève un serviteur à chaque. Quoi? Ok. Par exemple, des cartes à 6000 clean, ça vaut pas la peine de les vendre à 50. Si votre coup plus gagne. Hein? Ben lui, relève un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, gagne plus 1, plus 1. Ok, c'est cool. Ok, ça nous a donné ça. Ah, ok, ok. Bon, ben on va faire fin de tour. Ouais, mais c'est ça, non, mais qu'est-ce que tu dis, Ace of Hearts, c'est que dans le fond, quand tu prends une carte, là, on parle d'Urban Revels, bien sûr, aux gens qui seraient avec nous, là, ils parlent d'Urban Revels, c'est que toi, tu prends dans ton... Bon. Tu prends une carte de la collection de l'autre, tu le vends 50 à toi. Fait que c'est quand même... En vente privée, là, tu cliques, vente privée. Bon, là, je fais quoi, là? Là, je fais dur. Hein? On va se coller un petit lait. Là. Okay. C'est quoi cette carte-là? Bon, ça va pas bien, mon affaire. On va charger. Hein? On va l'attaquer de 3. Quinto et mon Aztec. Hop! Inflige au héros autant de dégâts que... Oh, bon. C'est quoi cette carte-là? C'est que tu t'en vas sur ta carte, puis là, tu mets la main à vendre. Puis là, tu fais vente privée à... Aïe, aïe! Il est en train de se mettre une méchante armée, lui-là. Là. Ça me prendrait ma carte que je fais des dégâts à toutes les... Que là, je t'avais de péter, moi, là, mon affaire. Il en reste quand même 2. Ouais, ça va pas bien, ce combat-là. D'après moi, je vais le perdre. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Il m'attaque de 2 en plus, tu sais. J'ai pas mon deck encore. Je me suis fait un deck, puis ça m'a pas donné mon deck. C'est incroyable. Là, j'ai juste 5.
Lui, je l'aime bien, lui, parce qu'il est provocation, bouclier divin. Puis en plus de ça, il attaque du serviteur passe à 1. Bon. Ok. Bon, ça va bien, mon affaire. Ça va bien. Je suis pas avec de péter pantoute. Il choisit à qui frappe. Là, tu peux pas frapper avec lui, là. Bon, on va se débarrasser de tous tes adversaires en face de moi. Bon. Là, il me reste 2. Ok. Après ça. Provocation. Bon. On va se débarrasser de lui. Hein, il dégage. Fin du tour. Voilà. Bon, là, j'ai fait le ménage un peu dans ces. Un petit peu dans ces cartes, là. Parce que là, Ciboire, il m'a fait des dégâts, lui, là. Là, je peux plus faire grand chose d'autre après. Merci pour la carte panda. Ah, vous avez vendu des cartes un à l'autre. C'est bon, ça. Bon, check-moi l'autre. Il utilise la même affaire que moi. Oh. Ça, c'est bon, ça, par exemple. Rend 6 points de vie à votre héros. C'est ce que je dois faire. Ça va me rendre 6 points de vie. Merci. Voilà. Donc là, fin de tour. Il doit être fâché, là. C'est que ce qu'il a donné comme carte? Ben. Vermen. Ah, ok, ouais. C'est pas Vermen, c'est la carte des Montana, ça. Aïe, maudite affaire. Il me l'a baissé à 1 d'attaque. Il est en train de s'en coller un pour l'aider. T'sais. Bon. Là. Okay. Là, il faut que je sois vraiment très, très méthodique. Comme ça. Avec un petit camouflage. Bon. Là, je vais essayer de me débarrasser au moins de lui. Le prochain tour, là, il risque de manger d'un coup. Là. Voilà. Bon, prochain tour, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Comme ça, j'ai donné Vermen. Comme ça, il pourrait avoir une très bonne base comme deck. Ouais, Vermen, ça, c'est le 7-5 qui est courage plus 1 plus 1, hein, si je me trompe pas. Bon, là, il y a charge, puis il y a tout ça. Là, il va m'attaquer. Aïe, aïe. Il joue mal, lui, en tout cas. En tout cas, c'est bon. C'est ce que je pense, là. Bon, là, bénédiction. On va lui donner une belle bénédiction. Puis, on va sortir lui. On va l'attaquer de 2. Quinte, oui. Ça a de l'allure, là. Ça commence à avoir de l'allure. Ça commence à avoir de l'allure, mon deck, là. Je le contrôle un petit peu mieux, là. Oups, charge. Il va-tu m'attaquer mon... Ah, il va attaquer mon héros, hein? Maudite affaire. Invoque 5 héros. Ah, c'est que là, il va manger une volée. Checkez bien ça. Je vais faire ça, là. Ça invoque 5 recrues. Fait que là, lui, il va faire 5 de dégâts. C'est ça, c'est le combo de la mort, ça. Checkez bien ça. Ça, j'aime ça. Tiens. Hein, bonsoir la visite. Fait qu'on va se débarrasser de lui. Quinte-toi. Puis là, on va l'attaquer 2 fois avec lui. Rendu à 10 d'attaque. Pow! Dans ta face, mon espèce. Quinte-toi. Patata clau, patata tau.
Infliger 3 points de dégâts, vous piochez une carte. En plus, je pioche une carte. Bon, ben, c'est parfait, ça. Hey, c'est-tu plate, hein? Un autre gars qui va perdre son combat. Hey, c'est-tu dommage, ça? Oh, que c'est plate! Moi, je commence à contrôler un petit peu le deck, là. Je commence à m'y faire. Bon, il quitte. Ça fait mauvais perdant, ça. Oh, je suis rendu gnome lépreux. Wow! Toutou! Là, je viens de gagner 10. J'ai-tu gagné un paquet? Oh, deux paquets obtenus! $ obtenu! Woohoo! Yes, sir! Oh, je suis impressionné! Moi aussi! Dans les dessoudeurs. Détruire un boulot pour vous. Détruire un. Détruire 100 000 serviteurs. C'est bon. Gagner 3 matchs avec un druide, un voleur ou un chaman. Oh oh, le voleur! C'est intéressant ça. Mais j'ai pas encore tout joué mes cartes. Bon, là, je vais voir si. Je vais juste regarder, voir que ça donne comme image. Là. Si on va bien les voir, les cartes. J'imagine que oui, on va bien les voir pareil. Donc, je vais ouvrir mes paquets. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Bon, il y a quoi, là? T'sais, j'ai regardé l'autre fois quelqu'un qui regardait des cartes. Le gars, il y a un aura ici. Ça dit ça, c'est une bonne carte. Bon, on va regarder les cartes, là. Oh! Chef de Jade. Chaman. Cri de guerre. Invoque un golem de Jade. Lui confère provocation. Ok. Mage. Gèle un adversaire. Oh, c'est cool, ça. Cavale de contrebandier. Qu'est-ce que tu dis pendant? Tu peux faire ton deck. Il y aura l'option enregistrer le deck. Tu pourrais le nommer. Ouais. Paladin. Donne +1/+1 à tous les serviteurs de votre main. Wow! Ça, c'est sûr, je m'en vais le mettre dans mon deck. Ah, chasseur. Rôle d'agonie. +2/+2 à un serviteur aléatoire dans votre main. C'est quand même intéressant. Et ma rare. Chaman. Cri de guerre. Rend 6 points de vie. Puis il est en surcharge. Oh. Chaman, c'est un que j'utilisais à un moment donné, ça. Une belle petite carte rare, c'est le fun, ça. Ouais, donc, une bonne carte, tu sais, genre une épique, quelque chose de même. Ce serait le fun. Une rare, toutes des communes. Bon, on va commencer avec les communes. Un point de folie. Vous prenez le contrôle d'un serviteur adverse avec 2 d'attaque ou moins. OK. Chef de Jade, encore. OK. Chasseur, paladin, guerrier. Ah, une carte multiclasse, c'est ça? Donne +1/+1 à un serviteur aléatoire dans votre main. Ah, intéressant ça. Après ça, prêtre, cri de guerre, donne +3/2 à un serviteur allié. Et la rare. Chaman encore. Hey, là, je viens de pogner 2 rares chamans. Transforme tous les serviteurs adverses en serviteurs aléatoires qui coûtent 1 cristal de mana. Wow, c'est malade ça. Ok, mon chaman, là, il vient de pogner une méchante coche. Là, je suis dans ma collection. Mais là, je vais dans mon deck de paladin. Oups. Là, on va le modifier, le deck de paladin. Toi, tu t'en vas. Ça, c'est correct. Infiltrateur, moi, j'en ai pas besoin. Bouclier divin, c'est bon. Invoque un secret, ça, c'est bon. Merci, et bien, encore pour la carte panda. Wow, vous donnez des cartes, c'est bon, ça? Une fois que ça va jouer, c'est bon. Jongleur, je vais le garder. Ça, c'est bon. 6 points de vie. Lui, je le garde. Lui, je l'enlève. Lui aussi. Ça, c'est sûr, je vais garder ça. Ça, je garde ça. Un pige, ça, c'est bon. Marteau, ça, c'est bon. Ça, tu pioches une carte. Lui, je suis pas sûr, je vais le garder, par exemple. Lui, provocation, non plus. Gardien, je vais aller prendre les deux. Lui, serviteur, il donne +1/+1. Je vais regarder, là, voir qu'est-ce que j'ai comme nouvelle carte. J'ai ça ici. Donne +1/+1 à tous les adversaires dans votre main. C'est parfait, ça. Et ma autre carte que j'ai, là, que je peux utiliser. Où est-elle? Lui ici. Donc, un autre. Un dessoudeur. Vous pouvez placer cette carte dans les decks de chasseur, paladin ou guerrier. C'est sûr, jamais. Puis j'en ai un autre aussi.
Celle-là? Non, c'est ça. Je pense pas que je n'ai eu d'autres, là. Mais je vais mettre lui. Un écuyer, quand même. Il invoque une créature quand même assez intéressante. On va y aller avec le bon vieux Seatoon. Puis ses deux acolytes, là. Ses deux acolytes. Puis là, ben ça, c'est quoi? Piocher une carte. On va le mettre lui, là. Juste regarder, voir si j'ai quelque chose d'intéressant. Bon, c'est bon. Terminé. Bon, aussi, Ace, tu peux aller voir le forum de la guilde. Il y a un défi, c'est la bombe. On commence à 100 et le premier gagne. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça, le jeu de la bombe. Ok, là, je viens de comprendre. Tantôt, tu faisais un lien avec le jeu de la bombe. Je comprenais pas. Ouais, exactement. Oui, étant... Là, tu parles de Limby CR. Ouais, Limby CR est 7-3. Encourage ta pouvoir. Très bonne carte, quand même. Ça me fait penser à quand même 9-3. Là. Bon, si son bonus est activé, bien sûr. Bon, là, je me prends contre qui, là? Un démoniste, c'est ça? Ou un mage? Un démoniste. Bon, je vais garder ça de même. Donc, ça risque pas d'être énormément de combats, mais en tout cas. Lui aussi, il a fait travail terminé. Moi aussi, travail terminé. Le démoniste, lui, peut se... Bon, à moi de jouer. Il y a une carte que je te conseille en 3 étoiles, c'est Shan. Ouais, Shan est très forte. On va se mettre un petit serviteur. Là, j'ai Seatoon dans mon paquet. Je savais même pas que j'avais pigé. J'ai déjà Seatoon. Lui, c'est une machine. Inflige des dégâts égaux à son A de ce serviteur réparti aléatoirement. Bon. Donc après ça, j'aurai d'autres paquets. D'autres paquets. Ouais, Sean, il devient 10-5 en riposte. Ouais, je préfère peut-être à un moment donné un genre de talk show urban, tu sais, qu'on pourrait se faire, mettons. On pourrait parler des cartes, bâtir des decks, des choses comme ça. Juste pas obligé de jouer, là. Je pourrais seulement faire un genre de show, là. On parle. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ça serait une bonne idée. Wow, là, il a mis une grosse carte, lui, là. Mettez cette pomme sur votre tête. Ce serait une idée que j'avais comme ça, de faire un genre de show, là, live, là, parler de Urban Revels. C'est pas toujours des let's play, ça pourrait être... Bon, il rend 2 points de vie en plus, gros sale. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Bon, il est intense, lui. Ouais, c'est ça, il y aurait plus de monde en talk show, ça c'est sûr, certain. Bon, on va se débarrasser de toutes eux autres. Là. Bonsoir la visite. Ok. D'accord. Voilà. Bon. Ok, là, je fais fin de tour. C'est sûr qu'en talk show, il y aurait plus de monde. Ça, c'est sûr, certain. Mais tu sais, il y en a qui font des talk shows, mais ils jouent à des jeux en même temps. Je préfère ça aussi. Tu sais, il n'y a pas vraiment de limitation, là. Bon. Là, je vais essayer de... Ouais, on va y aller avec lui. Ça fait un écuyer en plus. 2-2. Je sais pas s'il va me faire une genre de magie pour m'attaquer. On va voir. Le son est bon, hein? Le son est bon. Je parle pas trop fort. Bon, il s'est remanégé encore. Transforme un autre adversaire à toi en quoi? Ha!
Il m'a fait. Ben ouais, toi, pas payé ça. Oh, là, il est un petit peu dans la merde. Ok, on va se débarrasser de. On va se débarrasser d'autres de provocations, là. Ok, toi. Même si tu vas me faire 3 de... 1 de dégâts, je me redonne 2 points de vie. Puis là, on va te faire le plus de dégâts possible. Je vais essayer de répartir ça le mieux que je peux. Ben, je me débarrasse de lui. Bon, on va le frapper, c'est certain. Parce qu'un démoniste, lui, ses points de vie, s'ils descendent, ils descendent. Il aime pas ben ben ça. D'après moi, je me dirige vers une autre victoire. Ou sinon, on affiche le jeu, mais plus pour naviguer dessus, trouver des decks, parler des cartes du clan. Ouais, ben c'est ça que je pensais peut-être faire, tu sais. Au lieu de faire un let's play puis de jouer, je préfère ça. Tu sais, naviguer, parler en même temps. Je sais pas ce que vous en pensez, ça serait une bonne idée. Bon, il renvoie une chose dans son. Il va le rejouer. Ouais, il est mort. Pourquoi il fait ça? Non, mais c'est stupide. Il vient de le tuer là, là. Regardez bien ça, ma carte, elle va être rendue à 11 de. Oh là 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 là! 11 de dégâts. Patator et patapor. Gala, Stacy, Shawn, Lucia, Miss, Lullaby, Sylvana, Zac et Nalia. Ça, c'est en type 2, ça, ce deck-là. Série de victoires! Je suis rendu l'écuyère d'argent! Wouhou! Donc, voilà, ça va quand même bien. Oh, j'ai 40 de pitié, jouer 30. Ok, ça donne juste de l'or. Je pensais que ça m'aurait donné peut-être plus que ça. Bon, mais là, ça va bien, hein? J'ai fait un beau. Une belle victoire. Donc là, avec le voleur, membre de Lotus Jade. Gagner avec un druide, voleur ou chaman. Là, tantôt, je sais que dans ma collection de chaman. De chaman. Chaman, j'ai joué beaucoup avec le chaman, donc j'ai toutes les cartes. On va faire de quoi? On va tout mettre. Ah, mais attendez. C'est quoi ma nouvelle carte? C'est Dévolution. Il transforme toutes les. Bon, on va se le mettre. Transforme un adversaire. Lui, je le garde. Confrère, Furie des Vents, serviteur allié. Marteau du Destin. Lui, je peux peut-être l'enlever, puis. Ok, l'autre carte que j'ai eue tantôt, c'est quoi? Cri de guerre. Ok, attendez, j'avais l'autre ici, là. J'ai pas ma bonne. Ah, c'est celui-ci. Guetteur ancien, on va l'enlever. Puis j'ai deux fois les autres sites, on va essayer de mettre ces deux-là. Citoune. Elle va peut-être me le garder, Citoune. Peut-être pas. Invoque votre premier golem de jade à 1-1. Chaque golem. Suivant, Europe. Cri de guerre. Donc j'enlève Citoune, puis je me mets un autre de même, puis j'enlève ces. Là, je me spécialise un petit peu plus en. Ah ben salut à tantôt Panda, merci pour d'avoir été là. Là, je vais regarder voir mon deck de quoi ça a l'air rapidement. Guérison ancestrale rend tous ses points de vie, hein. Provocation. À vos totems. Inflige un dégât à l'adversaire et le gel. Un porte-bouclier. Je peux peut-être enlever ça, le porte-bouclier. J'en ai deux en plus. Pas besoin de ça. Elle non plus. Donc là, on va regarder voir rapidement qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre comme. J'aime bien ça, là. Il meurt, puis tu pioches une carte. Puis il y avait l'autre que je peux peut-être mettre, là. C'était-tu un chaman? Lui, je l'ai. Ok, je l'ai déjà. Ok. Bon, on va remettre Citoune, dans le fond. Tout aussi bien. Avec ses belles petites acolytes, là. Et ça donne toujours la pression sur l'adversaire. Chaque fois que vous lancez un sort, gagne plus 2 d'attaque. On va y aller avec elle. Et par la suite, je vais regarder voir qui je peux enlever. Là, peut-être. Jongleur de couteau.
Furie des vents, l'évolution. On va y aller comme ça. Bon, là, je vais essayer d'aller gagner, mais ben, je vais essayer. C'est pas sûr que je vais gagner, là, mais en tout cas, on va essayer. Donc, on va prendre le chaman, que je contrôle quand même assez bien. Je suis quand même niveau 12 avec. Mais j'ai pas vraiment gagné souvent avec. Mais là, on peut voir que ça va quand même assez bien avec le paladin. Donc, j'espère que ça vous plaît, ce let's play de Hearthstone. Je suis pas très expérimenté en tant que joueur Hearthstone, là, mais j'essaie de faire le mieux que je peux. Donc, on peut voir mon évolution. Là, je fais quand même... Là, je me prends contre quelqu'un qui est niveau 22 quand même. Bon, là, j'ai pas énormément de cartes intéressantes pour le début de combat. Espérance, on va m'en donner une. Ouf! Là, ça va pas bien, mon affaire, là. J'ai rien pour commencer le combat. En plus, j'ai ça. Ah oui, travail terminé, c'est sûr. Là, je me prends contre une mage. C'est ça, une mage? Ouais, c'est ça. Bon, là, on va faire un totem. Hein? Pas vraiment le choix. Un totem de quoi? Un totem bien ordinaire. Qui attaque, au moins. Pas super. Donc, il reste plus grand monde en ligne. Ça pogne pas autant que je pensais. Hein? Bon, on va faire un autre totem. Pas vraiment le choix. Un thème de provocation. Bon. On fait fin de tour. Travail terminé. Donc, ça risque d'être mon dernier combat. Forte chance. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Confrère, Furie des vins, serviteur allié. Ben, il n'y en a pas de serviteur allié fait, pour l'instant. Qu'est-ce que je fais? On va scroller un totem. Dégâts des sorts plus un. Okay, toi. Bonsoir la visite. Tiens, toi. Bonsoir la visite. Donc, bienvenue à vous, ceux qui viennent de joindre à moi. J'espère que ça vous plaît. Je fais des combats, là. Je tente de monter mon classement, même s'il n'est pas énormément élevé. Donc, il s'est fait des secrets, lui, encore. Bon. Bon, on va se faire un... Là, je me suis surchargé, là, mais c'est pas grave. Je vais l'attaquer deux fois. Oh, c'est quoi? Oh! C'est pas grave. Donc, quand même, surcharge avec un gros bâton de main qui dure quand même... pour le prochain tour, j'ai pas... Mais j'ai quand même deux fois changé son chose. Et chaque fois que vous lancez un sort, gagne plus un d'attaque. Bon. Qui m'a gelé, hein? Oh! Image miroir. D'accord. Ok. Toi, tu fais quoi dans la vie? On va le transformer en petit... Hein? On va se débarrasser d'eux autres. Hein? Et voilà. Donc, prochain tour, je vais avoir plus de mana, là, plus de... Je vais vraiment sortir un petit peu mieux. Là. On va voir qu'est-ce que ça dit. Bon, là, il va faire une boule de feu. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ok. Bon. Qu'est-ce que je fais? Ben, on va y ôter ça. Tatar dans ta face. Hop. Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, une copie. Oh! Maudite affaire. Bon, qu'est-ce que je fais? Oh oh.
On va le frapper. Lui, on va s'en débarrasser après, là. Parce qu'il risque de me frapper le prochain tour. Il va sûrement me faire une boule de feu, puis il va me frapper avec lui. Ça, c'est quasiment... Oh! Aïe, aïe! C'est une petite salle. Maudite salle. Bon. Bon, là, j'ai 8. Okay. On va transformer ça en beau petit 0. OK. Pas assez de mana. Hein? Okay. Bon, on va faire ça. On va faire ça en espérant qu'il fait un dégât à lui. Parfait. Là, je vais le frapper deux fois. Patatar et patatar. Et voilà. 4 de dégâts pareil. C'est quand même assez bien cette carte-là. La carte du marteau. Là. C'est sûr que là, il va m'attendre sur le détour parce qu'il doit avoir une coupe de cartes. Là. Pioche 2 cartes. Place 3 sorts de mage aléatoire dans votre main. Ok. Rend tous ses points de vie à votre serviteur et lui confère une provocation. Bon, c'est pas nécessaire pour l'instant. Furie des vents. Bon. Là, j'ai combien? 9. Je vais mettre lui. Ça évoque un golem 1-1. C'est pas la grosse affaire, mais je vais mettre elle en plus. Le Citoon, ils viennent de pogner. Là, je peux l'attaquer. Le prochain tour, je sais pas s'il va me faire bien et mal, mais en tout cas, on verra bien. On verra bien que ça va donner. J'ai peur qu'il me fasse mal. Ah! 4 de dégâts de tous les adversaires! Fucking shit. Il veut me le tuer. Hein? C'est tabarnak. Il s'est débarrassé de moi. Hein? Maudit sale. Bon, ben, je vais faire un beau petit checker bien ça. 3 de dégâts. Pas de tard. Puis là, je mets lui. Puis je le retourne dans ma main. Puis je vais refaire un autre 3 de dégâts en plus. Après ça, mais là, je pense que je vais attendre. Ouais, on va attendre. Le prochain tour, voir qu'est-ce qu'il va faire. J'aime bien ce deck-là. Ajoute un mage aléatoire dans votre main. Ok. C'est ce qu'il fait, là. Ah, ok. D'accord. Bon, on va se débarrasser de toutes ces cartes. Hein? Ok, toi, bonsoir la visite. Ah! Il n'y aura pas le choix de me le frapper, il va se sacrifier en même temps. On ne me frappera pas de 8, là, c'est pas vrai ça. Ah non, tu me fucking niaise. Oh, merde. Là, je suis vraiment dans la grosse merde. Ah, c'est que je suis dans la merde. Ouais, là, je vais peut-être mourir là. Ouais, il me fait 8. Bien joué. Oh! Il décide qui fait ça ou c'est au hasard? Incroyable. Bon, j'ai perdu. Pas grave, j'ai perdu. J'étais pas loin d'une victoire quand même.
Donc voilà, c'était mon deck, mon dernier deck que j'utilisais pour ce super vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo qui était quand même une heure de temps, c'était pas trop long. Donc j'ai pas réussi à faire ma mission ici là, qui est de gagner au moins un combat avec le chaman. Donc là, la boutique, je peux-tu m'acheter un paquet? Je vais aller voir. Combien ça coûte? 4,99. Mais un paquet normal, ça coûte 100. Bon. On va s'acheter un paquet. Avant de finir, on va s'acheter un beau petit paquet bien normal. J'aurais... C'est parce que moi, je m'achète pas d'aventures. Je peux acheter des aventures aussi. Puis des héros. Ok. Bon, ben, let's go. On va ouvrir le paquet, voir qu'est-ce que ça donne. Ah ouais, non, une rare au moins. Bon, on commence avec celle-là. Hache de forge foudre. Wow, ça attaque. Ça coûte 2. Ça te surcharge, par exemple. Mais tu peux attaquer une couple de fois avec. Ok. Ah, encore le chaman. Bon. Furie des vents. Surcharge. Vous aurez X cristaux de mana en moins au prochain tour. Ok. Mais il y a Furie des vents. Wow, c'est une machine, ça. Provocation, toutes les classes. 1-7, provocation. Ok. Bouclier divin. Toujours être bon. Et la rare. C'est quoi que j'ai? Prêtre. Inflige 5 points de dégâts. Rend 5 points de dégâts à votre héros. Ah, c'est quand même assez intéressant, ça. Bon, ben voilà. Donc, voilà. Je dis voilà, mais je vais me tasser. Je vais me mettre... Oups. Comme ça, ici. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo qui a quand même duré environ une heure et quart à peu près. Donc, merci d'avoir été en ligne avec moi sur Twitch. C'était ma troisième épisode d'Hearthstone. 3. Donc, je vais en faire d'autres, c'est sûr. C'est un jeu que je joue un petit peu moins. Là. Je vais faire plus, me concentrer plus sur Clash Royale et sur Urban Rivals. Je crois que ça prend plus là, pour les, surtout les Let's Play. Là. Hearthstone, c'est plus les gens ils regardent ça plus. Je crois dans les tournois qu'il y a plus de compétition. Moi, je suis vraiment dans mes débuts. Donc, je suis pas un joueur très expérimenté, mais je suis pas mauvais non plus. J'ai quand même une base. Là. Je sais à quoi m'attendre. Donc, je vous remercie d'avoir été en ligne. N'oubliez pas, si vous êtes sur Twitch, d'aller en bas, d'aller voir ma chaîne YouTube, de vous abonner ou simplement de commenter ou de suivre ma chaîne si ça vous dit. Si vous êtes sur YouTube en ce moment et vous voyez cette vidéo, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Donc, n'oubliez pas, allez en bas. Vous avez juste à cliquer sur « Abonner ». Ça me ferait plaisir de voir parmi mes abonnés de ma chaîne. Et sinon, ben, c'est Maître Fun qui vous dit à la prochaine. Et qui vous dit quoi déjà? Il vous dit « Bonjour, bonsoir, bonne nuit! » Au revoir! À la prochaine!